זה רביעי שישי, פרק י"ד, פסוק לבית ג' ודבר השם משה ולעמור לאמור כי תבואו אל ארץ כנען כתבו ינדרי או ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם אומר רש"י, ונתתי נגע צרעת, בשורה היא להם. בשורה, בית סינבב רישי. בשורה בדיון בנובד. שתים בנובד. זה הספיק דייר, הוא כועס קצת פרשה בצרעת הבית, אלה תרנסניה, אפרטו. אפרטו, שבדיר, כי דון הפרשת תזריעה, On a bien parlé des tsarat orbassar, tsarat abeget. Là, on a passé au courbenot à Metsora. Et une fois qu'on a l'air de se débarrasser déjà de cette lèpre, on se retrouve de nouveau avec une nouvelle tsarat. Celle-là est le tsarat abait, c'est la lèpre de la maison. Dira si justement la lèpre de la maison, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Chez un négaïm, baïm aléem, c'est une bonne nouvelle. Les filles, chez Itminu et Moriyim, matmonot sur Zahav, bekirot batehem, kol arbaïm shana shayu Israël va midbar. Et al yede un néga notet sa baït ou motsam. Donc, durant les 40 ans de désert, les Amoréens qui habitaient et vécurent en Eretz Israël, en Eretz Knaan, ils ont caché tout ce qu'ils pouvaient cacher. Donc les murs des maisons étaient les coffres de l'époque. Comme on voit dans la Mishnah de Boavetzir d'Afravav, l'habitude des gens était de cacher des objets de valeur, pas forcément des valeurs, mais aussi des objets de valeur à l'épaisseur des murs. Les murs étaient bien épais. Et quand les Israël sont arrivés en Eretz Israël, ça les a fait de la peine. Bien sûr, c'est une question de Frumkeit, ce qui est marqué dans la Torah, Batim Meleim Koltuv. Kadosh Baruch Hu a promis aux Israël, quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont trouver quoi? Batim Meleim Koltuv. Et bien, c'est le remez de cette drashat Chachamim qui Rashi l'amène ici, c'est les Batim eux-mêmes qui étaient Meleim Koltuv. Ils sont rentrés dans le Batim, ils n'ont pas trouvé les Tuv tout de suite. Et après, grâce à cette lèpre de maison, petit à petit, ils ont découvert le trésor. Notet Sabait, à l'aide à Nega Notet Sabait, grâce au fait qu'il y a justement cette lèpre-là, va casser la maison, ou Motsan, et il trouve le trésor. Suite à cela, où va Asherlo Abait? Vient celui qui la maison lui appartient, et il guide la Cohen les morts. Et il dit au Cohen, Ke nega nira le babait. Mais c'est Ke nega. On est Rashi, afilu talmid chochem, shiyodea shu nega, vadaï, ma faire avec un lambda, la guilante maseret negaï, mereï shu le seife, il connaît tous les dinim, et il pourrait en vérité trancher un vrai nega. Mais il ne doit pas le dire. Il dit quoi? Que nega n'arrive à bait. C'est comme un nega, mais ce n'est pas un nega. Donc, que nega n'arrive à bait. L'oïf souk d'avoir barou l'omar nega n'irali, et la que nega n'irali. C'est très bien. Ensuite, le tziva à Kohen, ou pinou, את הבית. כהן, דון אינורד, איפה וידי למזון. פוקו איפה וידי למזון. כרסי לכהן יבר אונטרה, יבר דיסידי, כי לנגע את עברי נגע, לתלמיד חוכם בעל הבית, ילווה רז'ון, לכנגע היא לברמו נגע, או נולב לכף, או קצת דיני עברי לפר. אוטומטיק מוד, תוסקי דון, La maison deviendra tamée,
Et ça, c'est très dommage. Et c'est pour ça que, justement, les Kohen, il doit dire de sortir tout à Torah Chassa. Torah Elay Rachmanut sur le Balabay. Voilà, c'est la même drachat Chazal. À Torah Chassa Alma, à Torah Chassa Al Klei Cheres. C'est-à-dire, et en vérité, tous les autres ustensiles qui se trouvent à la maison, même s'ils deviendront tmeim, on peut leur faire passer par le mikvé, et tout va bien. C'est vrai que c'était fatigant, mais ça va, on le fait tous avant Pessah, sans arrêt. Mais, quand on a affaire avec Klicheres, Klicheres est notre village. On ne peut pas périfier Klicheres dans le mikvé, à ce moment-là, le Klicheres deviendra tamé. Et la Torah chasse à faire le Klicheres. Ça c'est le Pshat HaKtuvim d'après Pirush Rashi. La question est très simple. On sait tous ce qui est marqué dans la Gemara, en Sugya, Shleima, dans Merchin. Elle discute là-bas les raisons pour lesquelles, les raisons plurielles pour lesquelles les Negaïm arrivent sur la personne. Alors, on a dit Gesut Aruach, on a dit Tsarut Aïn. Tsarut Aïn, ce sont des gens avares qui ne cherchent pas à donner, ils ne cherchent pas à prêter. C'est pas seulement qu'ils ne cherchent pas, c'est même quand on leur demande, ils ne donnent pas. Et même quand on leur demande, ils ne prêtent pas. Alors, quelle est la méthode employée par ces gens? Chaque fois, ils n'ont pas. Elle, j'ai pas. Donc on lui demande de prêter un outil ou un ustensile, automatiquement il n'a pas. Quand les Kohen, il va venir, dit la Gemara, Vetziva ou Finu et Abait, alors on va enlever tout ce qu'il y a à la maison. Et bien sûr, les voisins, ils sont à côté, et tout le monde regarde, qui peut se retenir de ne pas regarder un événement pareil. Alors bien sûr, on regarde comme ça des côtés, pas en direct, ça se fait pas. Et dans un coup, les voisins qui m'a demandé un marteau et que je lui dis que j'ai pas, il va voir que c'est pas seulement que j'ai un marteau, j'ai toute une série classée d'après le numéro, vous savez. Et le deuxième qui m'a demandé si je peux pas lui prêter par hasard un micro-ondes pour 24 heures, je lui dis que j'ai, moi j'aime pas tous ces appareils modernes, il va trouver que j'ai les derniers cris de micro. Vechenala. Donc, Mourad Rabotaï, ça fait partie de la pénition de Tsarut Aïn, pour lequel dit la Torah au Finu et Abait. C'est très intéressant. Si on dit Bemet qui Negaïm Baïm al Tsarut Aïn, alors quel rapport avec le trésor? Parce qu'il a parlé de trésor, non? Il a dit que Yamat Monot chez les Morim. Mais la Gemara, elle parle de quoi? Des matmonot sur le Kamtsanin, des trésors des gens qui sont des radins. Rashi nous parle de Ufino et Abait, de Klicheres, à Torah Chassa, à Filo al Klicheres. Et la Gemara, elle nous raconte qu'à Torah, lo Chassa al Kvod Abriot, Kimat. C'est l'opposé de Derech HaTorah. Derech HaTorah, on tient toujours compte de Kvod Abriot. Moi, les Doresh, une des raisons pour lesquelles sur les Shor on paye Chamisha et sur les Kieves on paye, les Se on paye Arba'a, parce que les Se il était obligé de les porter sur ses épaules. Nidbaza Aganav, ça dit la Gemara, Nidbaza Aganav. Parce que Nidbaza Aganav, c'est pour ça qu'il a une réduction. Il ne paye pas 5 fois, il paye seulement 4. En volant, il devait porter les moutons sur l'épaule. Les gens, ils l'ont regardé. Ils s'est un peu moqué de lui. Et donc, c'est pour ça qu'on a baissé le pays. C'est-à-dire qu'on tient compte à filou de quoi? Des quoi d'abriote d'un voleur. De toute façon, il est obligé de voler. Mais quand même, on tient compte de ça. Là, la Torah, elle a fait quelque chose qui est l'opposé. On a fait tout pour que tous les quartiers soient maintenant au courant, que Pleni, il est tout simplement un monteur, un avare, etc., etc. C'est très très fort de la part de la Torah.
כנראה כי דרך עבר זה טרגרף, שאני פה דרך, שאני קורא פיר כדי דבולר. איך זה נראה? זה דון אימפרשיון כמו שם. La chose qui reste quand même un peu étonnante, c'est le fait que Rashi a l'air de prendre l'histoire de Nigei Batim dans le sens des gentillesses, oui, tandis que l'Ichora, d'après les paroles de Rachamim, le vrai sens de Negaïm est un sens de dureté, de sévérité avec la personne qui, justement, il est loqué dans cette maladie qui s'appelle Tsarut Aïn. De Chazal, en le mala me onig, en le mata me nega. Libre Chazal. Plus haut, plus élevé, c'est onig, plaisir. Plus bas, c'est nega. Nega, c'est nega de Sarat. עונג, רק יוסי וחזל, זה ראשי תיבות, עדן, נהר, גן. לפחות שמוסו נעיפה. עונג, זה ראשי תיבות, כמו שם הקדם וחזל. עדן, נהר, גן. דו לנגר, זה רוברס. תותי רוברס, לא נהר, לא גן, ולא עדן. זה לשון סופוזי. Dans le Sefer Brit Kivnat Olam. Si on regarde, c'est très facile à constater. Dans les Oneg, la lettre Aïn se trouve où? Au début. Tandis que dans le mot Nega, les Aïn, elle est où? Elle est à la fin. Donc, c'est quoi qui fait des Oneg Nega? C'est le placement des haïn. Si je les place au débit, c'est un onig. Et si je les déplace, si je les déplace, je les mets à la fin, alors ça devient un néga. Donc, ça rejoint en vérité l'enseignement des Chachamim, dans lequel un négaïm baïm est la al tsarut haïn. Le néga, la lèpre qui vient, il est lié particulièrement avec quoi? Avec Tsarut Aïn. Avec le fait que cette personne, il ferme l'œil. Il ferme l'œil surtout quand il s'agit de qui? Des autres. Les prétextes, c'est pas ça qui manque. Les prétextes, ils sont toujours bons. Mais sauf la réalité, elle est que cette personne, il est quoi? Il est Ra'aïn. Il est Tsara'aïn. Donc, la bonne aile, le bon regard vers les autres, de s'intéresser des autres, des pensées des autres, de faire pour les autres, ça n'existait pas chez lui. Il prend son aile, il les met où? À la fin. Et donc c'est ça qui fait qu'il devient quoi? Néga. Il pourrait vivre dans le néga, en vérité il vit dans quoi? Dans le néga. Les gens qui sont incapables de partager avec les autres, ils vivent tout le temps dans la souffrance. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est qu'il y a eux. Et ils pensent toujours que les autres, ils cherchent qu'il y a à leur faire quoi? À leur gratter, à leur demander, à les enlever. Et une personne pareille, tout ce qu'il voit que l'autre il a et lui il n'a pas, ça lui gêne énormément. Aïe, c'est le qui colle à ma, mais sourit mon machovine.
Et quand une personne il est capable justement de se comporter autrement et de vivre dans une envie et dans une joie de donner, d'offrir, de partager, en tout cas pas d'offrir tout ce qu'il a, bien sûr, mais quand il a l'envie de partager et de donner avec les autres, il vit dans un état de plaisir et de joie. Je vais vous montrer un enseignement qui est marqué dans le Sefer Asara Ma'amarot, de Menachem Azaria de Fano. כתוב בספר עשרה מאמרות, זה מאמר הכי כורדין, חלק א' פרק חף ג' של איגיבר גרדה, עוסקי ופעם לקרואה. הרי פעם נאפר לאיסי, זה לעבירה דחילול השם. כידוע, אז מרקדו למישנה פעם דיומה, שחילול השם, אפילו תשובה, איסורים, לא מחברים, אלא עם המיטה. שנאמר, לגמורה, כי לא יכופר לכם מעוון הזה, כי אם תמותו. Donc, Chilul Hashem, il n'a pas de kapara. Il peut se faire pardonner, Chilul Hashem. Très grave. Alors, c'est marqué ici, c'est pour voir vraiment en détail tout ce qu'il dit, il faut au moins une heure et demie. Mais je vous sors juste un tout petit peu. Côté Arana et Panokara, il y a cette sorte à Chirot. שמועילות עם התשובה שלמה לעוון חילול השם. זה אקזיסט. יא קומם כואפר. למשנה אין זה קומפלט מאוד דזספירי. רמה יפנו הללה פה נומנטל מורל. יש עצות אחרות שמועילות עם התשובה שלמה לעוון חילול השם. כמובן, יפופר תשובה, סיום פי בתשובה, ססרה ריין. ואם התשובה שלמה מועילות לחילול השם. מה זה? כגון... גמילות חסדים בזריזות רב ומתמיד. עברית מדייק שק מוד על המים פנו שלי, כי קונה לאימפורטנס דסייז אקריטיור. גמילות חסדים, דונק דרום סרוויס או זאת, בזריזות, בלפר דון לג'ואה, כמוסה כיוני זריז, רב, בוקו ומתמיד. מתמיד זה לפרינסיפל. Parce que chacun de nous, il pique de temps en temps une crise de gentillesse. Mais ça, ce n'est pas Gmilut Chassadim, Rav ou Matmid. C'est peut-être Gmilut Chassadim, Bezrizout, c'est peut-être Rav, mais ce n'est pas Matmid. Mais si on sait c'est quoi, c'est le Matmid. D'ailleurs, de le faire systématiquement. De façon continue. On ne voit pas du tout les rapports entre Gmilut Chassadim et Chilul Hashem. Quel est le rapport? Le chassadim, c'est bien, hein, je suis pour, il n'y a pas de problème. Surtout quand les autres, ils me font. Hein. Mais, ils font pour moi, je veux dire. Mais quel est le rapport? Non, non. Je veux dire avec ça, chacun, il parle de Milut Chassadim, mais moi, c'est de faire. Hein. Je suis bien beau de vous parler de Milut Chassadim, il faut que je fasse. Je vais essayer de se rattacher. Mais quand la fin, l'inyan de Milut Chassadim, il croit qu'il n'a aucun rapport avec Chilul Hashem. C'est Mida Tova, Mida Chashuva, Mida Nichbada. משלושה דברים שעליהם העולם עומד, הכל בסדר. מועיל רפור הרי חילול השם, הוא פה דתו. סיסא נוסיפי פה, עניין לרמה איפנו היא קונטיני. ידי, הוא עושה קוואה. וכן, קיום שלוש סעודות לשם שמיים. וואלה, סי חס ושלום, כל גרליים פרולה וחילול השם. איבא קוריג'סה, גרסו קוואה, גרסו קיום שלוש סעודות לשם שמיים. C'est ça qui s'appelle au Yiddish Rebbi Shereid, c'est parole des rabbeim, des admorim. On ne voit pas du tout ce qu'il veut dire. Il commence à m'expliquer. Kiyum shalosh sudot l'shem shamayim, c'est quoi? Dichtiv. Az titanag al Hashem. Comme il est marqué dans le pasuk dans Yeshaya, Az titanag al Hashem. Titanag, ça vient de la racine onek. בשם האריזה אמרו, אבל כמו שפרלה דה קבלה, זה קומפרן פאדונק, זה סוד ג'דיזיסט לפרטיקי זה קומפרן, זה כבר, סעודת ליל שבת ילדי, זה בחינת יצחק. סעודת שבת בבוקר, זה אברהם סבא חסידה. אז בסעודת ליל שבת, זה מועיל להינצל מחבלי משיח. סעודת שבת בבוקר, זה מועיל להינצל מדינה של גיהינום.
שאברהם הובינו על פתח גינום, כמדי לגמור את הנערבים בפיוטט. כדו לגמור, כי אברהם היא וריפי, היא לה פרשונה, היא לה ברית מילה, היא לה פה ברית מילה, שבת שברית, מילה שברית. סעודה שלישית, הוא נריב הזכות יעקב. יעקב, אביהם של 70 נפש. יעקב ידעתי, מומתת דלפמי, דסוסון דיס, פרשון, להינצל ממלחמת גוג ומגוג. של הסגולה להינצל ממלחמת גוג ומגוג, בגימטריה 70. גוג ומגוג של גימטריה 70. יעקב היא לאונטט דלה פמי דקועה ל-70 נפש, הזמים אלה עונה ניצל מגוג ומגוג. אמת נו תותה טרקלר, אונסה כגרס עשה עונה מחפר חילול השם. נו? בבידון. Maintenant, si ça ne vous suffit pas, alors je vous ajoute, le Kvar Zahar nous beperek Rafalef mitzvah le Sadr Sulchano de Motsaï Shabbat, le Orel Schout David Amelech Regel Revi. Donc vous avez trois soudotes, c'est Yitzhak, Avraham et Yaakov. Aval Biou, dit le Ravar Epano, que ça ne s'arrête pas là, hein, il y a une suite. C'est quoi la suite? Soudat Melave Malka. Et cette Soudat Melave Malka, c'est Regel Revi, je ne sais pas Merkava. ורגל רביעי שבמרכבה זה דוד המלך. הרקסה זה בו. וואלה. לכאורה, זאת לקטור זה ממש דברים סתומים. און לי דשוז, ומסיונה בקוד אמונת חכמים, אונה דמל קומם האינטריוריזה, פסקי הוא מבפה לתו, כמו זה פונקציון. אז זה עוד דיר כסכי מה שפונס לצוי, זה דיפק של עבריתה, מהג'ל דרוע דסייה. כתוב במשלי פרק חב טוב עין הוא יבורך. בביור הגרושם מביא דרושה שיש במדרש תנחומה, שם כתוב טוב עין הוא יבורך, זה יעקב אבין. זה כתוב במדרש. מי זה טוב עין הוא יבורך, זה יעקב אבין. Maragouen, je pense que c'était ça sa question. On ne voit pas quelque part particulièrement que Yaakov il était Tov Ain. Si je vous demande parmi les Avot qui il était Tov Ain, Avraham, non? Tout le monde dirait Avraham. Même les Ramaïs Panou, ils l'appellent Saba Hasida. Ouais, on sait tous, Achnasa Tochim d'Avraham, gentillesse d'Avraham. Akol. Avraham, nous, Chesed. יעקב הוא גרום מקסימום אל הריב וקועה, תפארת. חזן נודיז, טוב עין זה יעקב. אז כתוב שם בביור הגרו, שטוב עין זה בגימטריה יעקב. פרפר לקוט. טוב עין זה בגימטריה יעקב. זה יפה מאוד, עונן טוס לגימטריות. אז מה? גוי ניבה פלילואן, לגוי נידי, ici on fait les comptes. Yaakov il a vécu avant d'arriver au Mitzrayim combien de temps? 130 ans. Begimatria Aïn. Le Kshua de Mitzrayim il a vécu là-bas combien des années? 17 ans, ça c'est tôt. Ça c'est marqué dans le Dur à Gros dans Michelet. Je crois que ça vaut le coup de venir aujourd'hui qui pour écouter ça, non? On est d'accord? C'est très beau, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça y est, on a la preuve, c'est Totum Oftim, c'est clair, une gimatrie apparaît, on ne peut pas la nier. Mais sauf, sauf. Rashi, dans la parasha Vayigash, sur les pasouk, justement, des Shivim Nefesh, ces Shivim Nefesh fameux qu'il est Ramam Epano, il a trouvé nécessaire de les mentionner ici. Il dit sur le Shivim Nefesh, dit Rashi, que Shivim Nefesh est un terme qui est particulièrement dit
par rapport au qui? Par rapport aux descendants de Yaakov. Nefesh. Parce qu'ils sont tous beprinat nefesh achat. Ce qui normalement devait dire nefashot. On n'a pas dit nefashot, on a dit quoi? Nefesh. Par contre, dit Rashi, quand on parle d'Esav, il n'y a marqué nefashot. Qu'est-ce qu'on apprend là? Que la différence, les points de la différence entre Yaakov et Esav, c'est justement qui chez Esav c'est nefashot, et chez Yaakov c'est nefesh. Et quand est-ce que les moments dans lesquels la Torah elle nous a expliqué que les descendants de Yaakov ils s'appellent tous, malgré qu'ils sont 70, on les appelle comment? Nefesh, un sel, c'est au moment des Yeridat Mitzrayim. Ça c'est le shorash de cet enseignement des Goen, qui les primat à Tov chez Yaakov, elle est arrivée au top, quand est-ce? Au moment des Yeridat Mitzrayim. Parce que là il est arrivé à transmettre la Mida de Tov Aïn à qui? À tous ses descendance. Alors c'est connu, c'est que Yaakov il est le tikkun d'Adam Arijon, et Adam Arijon il a fait des sigoufim et des ta'aniot durant combien des années? Durant 130 ans, et ça c'est les premiers 130 ans de Yaakov dans lesquels il a souffert. Au bout des 130 ans, Adam Arijon il a arrivé à corriger un tout petit peu, donc de même Yaakov Avinu il a vécu ces derniers 17 ans dans la bonté, comme Chazal nous dit dans le Midrash, à Yadoua au début des Vaïchi, qui en avait déjà ensemble ici. À Kolpanim, la Mida de Tov Aïn de Yaakov, Tov Aïn, même si on ne la voit pas dans la Torah en clair, mais on la voit en clair. On la voit en clair dans la Drasha de Chachamim sur Tov Aïn Oivorach. On la voit en clair dans la Gimatria des Gaon. On la voit surtout dans les points de quoi? Des Shivim Nefesh. Et ils savent, il est allé à la rencontre de Yaakov, et il avait avec lui 400 ish. Yadoua, tous les sfarim, c'est 400, c'est Gimatria Ra'aim. Ra'aim, c'est la valeur numérique 400. Ephron, c'est le Ra'aim d'Abraham, il vaut aussi 400. Et c'est pour ça qu'il parle d'400 shekel kesef. Donc la prina de Isav, la prina de Ra'aim, c'est pour ça qu'il a avec lui 400 ish. C'est pour ça qu'Ephron, il est aussi le Gimatria Ra'aim, et il a avec lui les 400 shekels kesef. Et Yaakov, il est Tov Aïn. Et parce qu'il est Tov Aïn, il n'y a pas chez lui Prina Tapiroud. C'est le Maharal qui le marie, l'ignan d'Arbamot, le chiffre de 400, c'est le pizur maximum. Et ça, c'est le Galut Mitzrayim, qui elle est aussi le dérivé de cette Sinatrinam qu'il y avait entre les frères. Et Yosef, qui est aussi 400 Shana, qui a Kadosh Baruch Hu, il a annoncé à Abraham Avinu. Et d'ailleurs, dans la Torah, il y a marqué toujours Metzora son Vav, et Metzora son Vav, il vaut aussi 400, comme on va. Al-Kolpanim, Shoresh Advarim, il est donc que la prina de Yaakov de Tovaim, c'est la prina de Souda Shlishit. Et la prina de Souda Shlishit, c'est le chitum de Shabbat, c'est la fin de Shabbat. Et à kol olech achar a chitum, ça veut dire que les moments qui comptent, les moments qui font tout, c'est les moments dans lesquels on fait tamponner, c'est la fermeture. Et donc à ce moment-là, à la sortie de Shabbat, on est censé être nitzal mechevle mashiach, qui est begimatria gogo mago, qui est begimatria combien? Shivim. Et Shivim, c'est Shivim Moumot, d'ailleurs nous les tachlit à Pizou, c'est la dispersion maximale. Tandis qu'il y a Kovila, Shivim, mais tous les Shivim ils sont quoi? Ils sont des Prinat Nefesh, Nefesh Achat. Maintenant la chose qui est très beau, c'est qu'il y aura, quand nous regardons le Shabbat, on voit devant nous un source d'égoïsme très fort. C'est quoi on est Shabbat? Chacun va se gâter. Non. Chacun se fait plaisir. C'est ça que nous on voit dans l'Onek Shabbat. En vérité, on découvre que l'Onek Shabbat, c'est quelque chose qui est censé de nous amener juste vers le contraire. De nous amener vers le chibour d'Abraham, Yitzhak, et surtout avec le chibour de Yaakov, avec le Shivim Nefesh de Yaakov. C'est ça qui fait quoi l'Onek Shabbat? Comment est-ce qu'il est fait? Je ne sais pas. Ou je sais, mais ce n'est pas le moment de parler de ça. En tout cas, c'est ça qui sort de là.
Mimeile, on comprend le début, la Reisha et la Seifa. La Reisha, c'était quoi? Qui la Hashlama le Chidou Hashem, c'est Gmilut Chassadim, Bezrizut Rav ou Matmid. Le Shorosh de Gmilut Chassadim, Bezrizut Rav ou Matmid, il est basé sur le fait qu'on n'est pas 70 Nefashot, et là on est quoi? On est 70 Nefesh. C'est Dvarim Brourim. Donc, si le Shorosh de Gmilut Chassadim, c'est le fait qu'on est 70 Nefesh, il vient le Rama Mipano, il dit que ça, j'arrive à l'obtenir grâce au quoi? Grâce au Shalosh Soudot, j'ai le Shabbat. Parce que grâce au Shalosh Soudot Shabbat, on est Middabek Bemidat Avot. Donc c'est Abraham, Saba Chassida, c'est Yaakov avec la Mida de quoi? De Shivim Nefesh. Et si ça ne vous suffit pas, hein, alors il dit à Regel Arevi, Mamelkava. C'est qui? C'est David. David sur lequel est marqué Viefei Einaim. Il a des bons yeux. Donc vous comprenez bien que quand on parle des bons yeux de David, on ne parle pas des bons yeux de David dans le sens physique. C'était quoi les beaux yeux de David? C'est Kol Malchei Umot HaOlam Omdim Beshalosh Shaot Vechole Vechole. Vani Yaday Meluchvachot Beshapir Beshilia. David HaMelech, qu'il a pu, il pouvait vivre comme tous les rois de l'époque, et peut-être encore mieux que ça, il s'est consacré tout le temps de salir ses mains, de Shapir Vigilia, de s'occuper de la saleté des autres. Et quand on parle de la saleté des autres, ce n'est pas forcément de la saleté physique, aussi de la saleté physique, mais aussi de quelle saleté? De la saleté spirituelle. Toutes sortes de Touma, toutes sortes de Nega, toutes sortes d'impuretés, David, il essaye de la purifier. Il y a Daim et l'Ochlachot de Shapir Vigilia. Ça, c'est Yefei Einan. Mordi dans Rosh Hashanah Yechafei, Zil Ein Tav, on parlait de Kiddush HaChodesh, Zil Ein Tav, Veshlach Le Simana, David Melech Israël Chai Vekaya. Pour faire Kiddush HaChodesh, on parlait la semaine dernière de Kiddush HaChodesh, la Gimatria de David, 14 de mois. Alors pour faire Kiddush HaChodesh, David HaKatan, vous vous rappelez, pour faire Kiddush HaChodesh, c'est Ein Tav, c'est comme ça que s'appelle l'Elié, ושלח לי סימנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. זה זה לקיום למוצאי שבת. למוצאי שבת זה הרגל הרביעי שבמרכבה. שלוש רגליים זה טרביין. וכן תהיה ארבע רגליים שבוקו פלוס סוליד. אלא לגרונדר דה שבת זה אישתמו דה סורטיר דה שבת ור מוצאי שבת. אלא מוצאי שבת דואנו זמנה ור לסוויט דה לסמן דה אפרה. כן תקבו שבוכו אלא קראה למונד. On sait très bien qu'il n'avait qu'un seul but. C'est quoi? C'est l'Héthi. La seule chose qu'Akouche Bokhu il a manqué, entre guillemets, c'était la possibilité de faire du bien aux autres. C'est la seule chose qu'il n'a pas là-haut. Donc il a créé le monde, il a créé le monde l'Héthi. Parce qu'il avait ce besoin, entre guillemets, l'envie d'offrir, de faire du bien aux autres. Ça, c'est le but de Briat HaOlam. Sinon, à quoi il a besoin de nous? On n'est vraiment pas intéressant, je vous promets. Les plus petits 11 là-haut, il est plus intéressant que toute l'humanité. Si le seul but de la création par Akadosh Baruch Hu, c'est le Heitiv, une Briotav, alors évidemment, quand on fait Chilul Hashem veut dire quoi? C'est qu'on est en train de profaner les noms d'Hachem, on est en train d'aller dans le sens contraire que le sens d'Hachem. Quand on se trouve dans le sens de Gmilut Hasadim, Bezrizut, Rav ou Matmid, alors à ce moment-là, quand il est Bezrizut, Rav ou Matmid, en train de faire Gmilut Hasadim, quand il est Medabek, Beprinat Onek Shabbat, qui est la main, vers la mida de Yaakov, vers la mida de David HaMelech. Alors cette personne, il s'accroche à la façon la plus proche au Ribbono Shel Olam quand il est en train de faire quoi? Ça qui était pour Akadosh Baruch Hu le but de la création des mondes. Et donc ça c'est l'essence qui est au-delà de la kapara de Chilul Hashem. Parce que même si Chilul Hashem n'est pas de kapara, mais quand la personne il fait, comme on vient de essayer de comprendre et d'expliquer, alors il est en train de se tellement approcher à Kadosh Baruch Hu qu'il n'a plus besoin de Kapara.
Parce qu'il est au-delà maintenant de Chiloul Hashem. Tovaïno Yevorach. Celui qui n'a pas Tovaïno, on a bien expliqué qu'il est Pérouch, il est, qu'il vit dans la souffrance quotidienne. Mais surtout, il faut comprendre que quelqu'un qui est Ra'aïn, il a un manque grave d'Emouna. Parce qu'il n'est absolument pas d'accord de partager avec les autres. Ça veut dire qu'il pense qu'il vraiment, s'il va donner, il va manquer. Donc il n'est pas d'accord que celui qui dirige, ce n'est pas lui. Chachamim nous disent, Kol ha'malim einav min hatzdaka, qu'il oved avodah zara. Pourquoi c'est qu'il oved avodah zara? Parce que justement, il pense que l'argent, il vient grâce à sa chokhma, à sa sagesse, à ses efforts. Et il ne comprend pas qu'il ne sait pas de tout ça. Et si HaKadosh Baruch Hu, il a donné un tzivou, il a donné de la tzedaka, celui qui ne donne pas, ça veut dire qu'il ne croit pas. Il y a un manque réel d'Emouna. Ça, c'est aussi l'opposé de Chiloul Hashem. Et quand quelqu'un il offre aux autres, et il n'a pas peur, il n'a pas envie de garder tout pour lui, alors il prouve avec ça qu'il est bémet ma'amin, bémisha ma'avayarla. Il est bémet ma'amin qui, quand on donne ma'aser, alors on manque de rien. Au contraire, c'est mitrabé. Et quand quelqu'un est chômeur Shabbat bien comme il faut, ça revient au même. Parce qu'il est en train d'accepter qu'il ne travaille pas un jour par semaine, ce n'est pas forcément les jours dans lesquels on gagne le moins, et quand même, il est sûr et certain que Shabbat, elle est quoi? Elle est Mekor HaBracha. Shabbat, elle est vraiment Mekor HaBracha. Donc, de Kitsour, Ra'aïn et Tsaraïn, c'est un manque d'Emouna, et c'est surtout un manque de Oneg. Et Tovaïn ou Yevorach. Yevorach, c'est Birkat HaShabbat aussi. Parce que si Shabbat est le Mekor HaBracha, alors quand quelqu'un il est Tovaïn, il est Yevorach, il est lié avec Shabbat, comme il a expliqué le Rambam Ipan. Le problème est là, que tout ça, c'est bien et beau. Mais nous, on est en train d'essayer de convaincre tout le temps que ce n'est pas notre cas. On n'est pas comme ça, nous. Il s'agit de quelqu'un d'anonyme, d'un monsieur mystérieux qui est loin de l'attaque par ça, le Chol HaPachot, au moins. À ce moment-là, il faut quand même savoir que Rashi, il est en train de nous expliquer que quelqu'un qui n'est pas d'accord de voir la vérité, parce qu'il est en train de vivre dans une situation dans laquelle il pense que chez lui tout va bien. Alors, quand il verra un néga à la maison, qu'est-ce qu'il va voir? Matmonim, quel néga? Il va se dire tout de suite que tout ce qui lui arrive, c'est le contraire. HaKadosh Baruch Hu, il envoie des gentillesses, des cadeaux. Mais en vérité, on est très loin de ça. Donc, Rashi l'amène les matmoniot, et les kenega, la filou talmud chochem, il risque quand même de se tromper, de penser que c'est quoi, qui c'est kenega. Et il refuse de reconnaître qu'il a quoi devant lui? Un vrai néga. C'est ça qu'il a. Afilou talmud chochem. שכתוב במשנה בנגויים כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. בעל הטור מלמד מסורה מאוד מעניינת. כנגע נראה לי בבית, הגיע לבעל הטור, היא אמרה כן נראה, און קוראים של פועדון לתנך. פסוק מרחוק השם נראה לי. מה הפירוש? זה רק מרחוק השם נראה לי. זה דרך דלוין כשבוע לבריטה. Quand c'est proche, quand c'est, il s'agit de mes intérêts, de moi-même, en shum nega nirali. Maximum, c'est quoi? C'est ken nega. C'est comme que. Mais jamais la personne il va accepter ceci. Bien Rachid dit, la personne il peut se dire, il peut se raconter toutes les histoires qu'il veut à Torah Chassa, Laval, Klei, Charasav, Vesto Matmoniot, Vesto Kenega. Mais nous, on sait la vérité. La vérité, elle est quoi? אין הנגעים באים אלא ואלא 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 ואלא. זה פפוריאן כי עולי תוזור לפרשה מצורה בסמיכות לפסח וביין לפונוב וביין לאחרוב. אז כתוב לעניין דה פסח לסורתי דה מצרים, שזה סורתיר בסט צרות, בסט איתה דה ספרי סרה כמסה, דון לכל און פונס כה סועמם, דה רוב נראה לתה דה כניסת מצרים, דון לכל און נתה 70 נפש, דון לכל און נתה תוס איני, אז זה פורסה כהילכות פסח ושולחנות קומונס אבק,
סימן תף חפתת שנהגו לחלק מאות חיתים קמחה דפיס חססה ליסוד דלחות פסח. תו לרשת שרי אפרה. שווה קשה כי תו קומוס. כי הקדוש ברוך הוא נוזדרה כי הוא שרה תוס טובי עין כי הוא נורא דקוע דונה כי הוא שורה כי דונה.